Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, incarcéré dans le procès des 100 jours, à une peine de prison de 20 ans, a été provisoirement libéré par la Cour de cassation de Kinshasa. Vital Kamerhe, connu pour sa pertinence et ses ambitions politiques, est désormais provisoirement libre. Une liberté qui lui permettra d'envisager un avenir politique linéaire. Rappelons que cette libération fait suite à des tractations et à des jeux d'alliances politiques en vue des prochaines élections présidentielles. Retrouvez toute l'actualité de la RDC sur notre site internet jemainformetv.com. Abonnez-vous.